Et on est back pour la suite de notre Let's Play sur Pokémon Noir 2. Et on avance, je sais pas où on va, mais on y va. Bon, le retour de la cam, bientôt les gars, bientôt, ça arrive fort. Ça arrive fort les gars. Non, en vrai, je pense qu'on va finir ce jeu avec cette cam là. Et qu'on fera le début de la 6G avec, avec la nouvelle cam. En face cam, ok. Je pense qu'on peut s'accorder sur ça. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais ça, c'est après. C'est plus tard. Boulelec. Sur. Ah, je ne peux pas taper. D'accord. Alors, tranche nuit. Hydroqueue vu que je suis sol. Ah mais non, je suis pas sol du tout. Tranche. Boulelec sur la poiscaille. Et salut les poiscailles. Avez-vous déjà entendu parler du Bargantua? Une espèce qui vit dans les fonds marins du côté de Unis. Salut la poscaille. Ça me fait trop rire de dire ça. Salut la poscaille. Tranche nuit, hein. Si tu veux que je fasse quoi de plus dans ma vie? Ah, parce qu'on est à l'opposé, du coup je peux pas le cibler. Ah, genre j'ai pas la portée, j'ai pas la range en fait. On est sur League of Legends, putain. Ah d'accord. Ah d'accord. J'ai pas la range pour le Q en fait. Mais oui, on réfléchit. Du coup, combattre avec quel Pokémon? On va essayer Branlette, hein. Après Grenichon, Branlette. Je déteste les combats à plusieurs, hein. Vraiment. Ma phobie. Donc là en fait ils vont me canner tous mes Pokémon. C'est ça le thème en fait. C'est ça le thème vraiment. On peut le tuer ou ça n'existe pas en fait dans le monde moderne? Putain! Quelle plaie! Je dois retourner me heal là? Vraiment? Moi qui ai une ville. Moi qui ai une ville. Soon. Soon as possible. Ville, hein. Je crois qu'il n'y a pas de ville. Hein. Ah ouais, la ville elle est encore loin. Elle est encore loin. Ville noire. Attends, mais il fallait vraiment que j'aille par. Mais non, mais il fallait pas que j'aille par. Mais attendez, je suis pas sur la bonne route là. Parce que là, je vais à la ville noire, mais. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la ville noire? Il fallait que j'aille à l'est de Vaglon en fait, ou au nord. C'est quoi, on va rush? On va rush into ville noire. Nord, tu pouvais pas. Donc c'était à l'est. Oh les cons! Il y a une manif. Je vous baise. Ça se bat pour quoi? Les retraites? Bon, allons-y, quoi. Il y a une manif, putain! Il y a la CGT, là, qui bloque la route! Non, triplé rotatif, mais on veut ma mort!
On veut ma mort, on veut m'éteindre là. Putain. Putain, il meurt pas, il meurt pas. Attends, mais non, mais il est plante, il est plante. J'ai cru que... Dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, le prochain, il est haut, mais il est pas haut. Ah, mais c'est bon, ça rotate pas. Il est pas haut, il est plante, ce trou de balle, mais il est bleu. Depuis que j'ai 8 ans, 12 ans, je confonds. Comment je rotate? Comment je rotate? Il y avait pas une histoire de gâchette? Dans ma tête, je sais pas pourquoi je me disais avec les gauchettes, les gâchettes, on rotate. On peut pas rotate là? Putain, j'ai même plus le rotif là. Faut attaquer. Mais là, j'ai attaqué, ça a pas rotate. Moi, je veux rotate, moi. Oh, mais non. Moi, je ne peux pas rotate en fait. C'est pas possible. Pourquoi dans mes souvenirs, on pouvait le faire manuellement? Pourquoi j'ai ce souvenir là? En dessous des attaques. Ah, c'est en dessous des attaques. Donc mes souvenirs n'étaient pas si erronés que ça. Puis sol dragon. Tu es sol dragon. Laisse-moi tranquille. Ah, c'est là. En vrai, je sais même pas quoi faire. Même pas quoi faire là, j'ai pas d'équipe. Ils mettent un combat rotatif à la ligue, c'est terminé. Oh, imaginez s'ils avaient fait ça. Oh là là. Oh, ils oseraient jamais faire ça dans le 2. Oh, s'ils font ça, je pète mon crâne. Je deviens fou, hein. Je deviens fou. Ils font ça, je deviens fou. Hein. Là, il va m'enculer, lui. Bon, j'en ai marre. Faut que je revive l'autre trou de balle, là, parce que ça peut plus durer. Allez, c'est bon. Frère, c'est bon, au bout d'un moment, je suis là, je me fais... Je me fais délaître par toute la map. Vraiment, c'est pas marrant les combats rotatifs, les combats triples, tout ça. Vraiment, c'est pas drôle. Vraiment, c'est heureusement qu'on n'a plus jamais revu ça. Mais vraiment, c'est nul. Mais que c'est nul. Ah, j'en peux plus, je deviens fou. C'est bon, allez. Allez, 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 allez. C'est bon, frère. On peut pas jouer au jeu. C'est bon. Ça me rend fou. Ça me rend fou malade. On va prendre quoi? Non, garder les anciennes. Vraiment, je déteste ça. Je déteste les combats rotatifs, mais je crois que vous réalisez même pas à quel point. Hein. Vraiment, si Pokémon c'était que de la rotation, je vous jure que je serais en train de dire que c'est un jeu de Pokémon Go toute ma vie. Ah non, c'est pas possible. Mais vraiment, c'est de la merde. Putain. Que c'est naze. Oh là là, ça m'a mis sur les nerfs cette histoire là, voilà.
Il est tellement magistral. Tellement beau, il est tellement beau, frère. Regardez-moi cette petite animation, il perd l'équilibre. Incroyable, frère. Franchement, le jeu est beau, hein. Incroyable, hein. En fait, vraiment, le fait, je pense, d'avoir lissé les contours, et que c'est ce qui me gênait, moi, dans Noir et Blanc et Noir et Blanc 2, c'était vraiment les contours noirs. Ben là, je trouve que le jeu, il est... Graphiquement, il est... Il est quasi parfait, quoi. Pour un Pokémon en 2D. Je pense que c'est peut-être la vision qu'ils avaient, tu vois. Le fait qu'il soit lissé comme ça, avec l'émulateur et tout, je pense qu'il y a moyen que ce soit la vision qu'ils avaient. Du coup, il fallait partir vers la droite. En haut, c'était bloqué. Regardez la carte. C'est quoi, quoi. Droite et nord. Ah ouais, mais attends, mais il y a peut-être une route carrément, non? Peut-être carrément une route en fait. Carrément une route en fait. Mais non, mais j'ai claqué un. Par contre, je suis dans l'eau, j'ai un Pokémon feu en tête. Oh, il est shiny. Là, ça a pu les Pokémon flotte là. En vrai, de vrai. Majora. Un bec qui pend. Alors bien entendu, tous les Pokémon qu'on capture là, qu'on joue, seront transférés à la fin du let's play dans le Pokémon Home. C'est le but, les gars. On rappelle. Qu'on est là pour ça. Et ça, c'est beau. Se dire qu'on fait l'aventure et que derrière, on récupère les Pokémon dans le home. Et que du coup, ça veut dire qu'en fait, j'arrive sur les DLC de Pokémon. Les gars, je peux me faire une team où je prends un Pokémon de mon Let's Play John. Un Pokémon de mon let's play Crystal. Un de Emerald. Non, pas Emerald. Un de Platine. Un de Noir et Blanc ou Noir et Blanc 2. Et je me fais une team de. Une team historique. La team des let's play pour conclure le marathon Pokémon. Ça serait incroyable. Ça serait. Ça, franchement, ça serait pas les émotions, ça, en vrai. Franchement, ça serait trop les émotions. Plaque Hydro. C'est quoi Plaque Hydro? C'est pas pour boost. La puissance des capacités haut. Pourtant j'avais une plaque dragon. Mais c'est pas pour invoquer. C'est pas pour l'autre con là avec ses pinceaux, Arceus. Non mais en vrai, ça serait pas incroyable ça. Genre vraiment, je me fais une team. Je prends. Genre en Mewtwo de la version jaune. Tu vois. En cristal, je prends. Je sais pas. Genre mon alligatueur ou je sais plus qui j'avais joué en vrai. Emerald, je prends. Ouais. Au final. Est-ce que au final. Non mais en vrai je pense qu'il y a un. Après il y a un trou là. Oh non, il faut plonger dans ce jeu aussi. Attendez, je suis en 3G ou en 5G là? Oh! C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers?
Non, non, commencez pas à me dire qu'il faut plomber des bails de plongée. Je pense pas, en vrai, je pense que c'est que pour du bonus. Je pense que c'est que pour des items. Ou des combats. Mais ouais, en vrai, le projet me plairait bien. Me préparer une petite team avant les DLC avec 6 Pokémon, bah des 6 premières générations. Plonger, c'est après la ligue. Ah bah ça va, tu me rassures. Tu me rassures. Je sais pas, faudrait voir ce qu'on peut faire. Moi, ça serait intéressant même à regarder, à faire un petit live où on prépare la team, tu vois, pour les DLC. On se fait une full team niveau 100. Avec que des Pokémon qui ont marqué mes let's play. J'aime trop l'idée. Après, bon, on peut en avoir que 6. Ça ferait 1G, 2G, 4G, 5G, 6G. Et 7G. Genre, en fait, il faudrait skip une gen. Alors, est-ce que je vais skip la 3? Je sais pas. Je sais pas, on n'a pas encore fait la 6 et la... La 6 et la 7. Mais où vais-je? Je sais pas où je vais, mais j'y vais, hein. Je pense que je suis pas du tout au bon endroit. Y a pas une limite de niveau pour les DLC, histoire de pas tabasser le jeu. Franchement, on en sait rien. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Mais c'est vrai qu'avec la possibilité d'importer les Pokémon et tout, il y a moyen de vite le tabasser, comme tu dis. Je sais plus trop comment c'était pour épée bouclier. Je me rappelle plus. Bon, faut aller où, les amis, là? Je suis perdu dans ma vie. En plus, je me fais attaquer par des Pokémon. Il est shiny? Non, il est pas shiny. Les Pokémon sont plus haut niveau que moi, donc je proc les rencontres. Par contre, si je le tabasse et que je prends un peu de level up, j'aurais plus de problème. Par contre, ça donne rien en XP, donc on va vite oublier le projet. Honnêtement, je comprends même pas par où je dois aller. Merde, j'ai mis non, j'ai fait un pas. Oh, il est trop mimes, il est trop pipou. Obali. J'aime trop Obali. Vraiment, je le trouve... C'est magnifique, ce Pokémon. Bon, les gars, je suis perdu. Voilà, je vous le dis. Je suis perdu. Par contre, je me demande si on n'a pas raté Itran. Parce qu'elle nous a parlé d'Itran, notre... Vaglon. Ah mais non, mais il faut aller vers le nord. En fait, ça m'a induit en erreur que Yori... J'ai cru lire que Yori m'avait dit la suite c'est à l'est, tu peux pas aller au nord. Mais en fait si, la suite est au nord. Eh oui. Il m'a baisé. C'était bel et bien au nord. Yori qui veut ma chute. Yori qui ne veut pas que je finisse le jeu, en fait. C'est sûrement ça. Donc je tourne en rond pour faire durer le plaisir. C'est ça? Thank you.
On dirait le... On dirait l'OST d'un... D'un Pizzemol sur Game Boy. D'un bon vieux... D'un bon vieux Ninja Gaiden Shadow Warrior. Incroyable, hein. Fulnor. Ok, hein, Fulnor alors. En full chill au Fulnor. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, Méga Jean-Jean. Du coup, Méga Jean-Jean, toi, t'as commencé Pokémon avec quel jeu? C'est la tradition ici, hein. Je l'ai pas posé, mais... T'as commencé Pokémon avec quelle génération et c'est quoi ta génération préférée? Dis-nous tout. Ça m'intéresse. Incroyable, Azik. Un G. Champion, un champion. Un champion, je le savais, c'est un champion, ce mec-là, je le connais. Atroce. Commencez avec l'1G. Embargo. J'ai pas vu qui a ramené. Feuille ou temps. Eh merde, préféré, la première dans mon cœur. Ben ouais. Logique, logique, logique. Logique. Et un Pokémon préféré, un légendaire préféré, l'un et l'autre. Et un starter aussi, vas-y, on fait les trois. Un Pokémon préféré, un légendaire préféré, un starter préféré. Parmi toutes les gènes, tous les Pokémon, tout ce qui existe. Qu'on en apprenne un petit peu plus sur Méga Jean-Jean quand même. Il nous fait l'honneur de sa présence en ce dimanche après-midi, même si c'était plus trop l'après-midi. Aïe aïe aïe. Magnézone monte au niveau 39. Lumino canon. Ça c'est peut-être pas mal ça. C'est peut-être mieux que bombément de merde. Certainement même. Après ça, 10 PP. Enfin, en vrai, vas-y, ça se joue. Ça se joue, ça se joue. Yori m'aurait dit ça se joue, mec. Ça se joue, mec. Ok, à ce niveau, les autres escrocs n'ont qu'à bien se tenir. C'est pas comme s'ils allaient nous échapper. Le chacrupant, ils me le rendront, je leur ferai payer. Ok, 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 dude. Ok, dude. Pem 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 pem. Mais cette ville, elle a changé de baiser, non? Parce que je me rappelle de cette ville. Alors je confonds, mais il y avait une ville comme ça, un peu. Où tu sortais d'une grotte, t'arrivais en hauteur. Mais en fait, je me rappelle pas qu'elle ressemblait à ça. J'ai l'impression. Non, elle était bâtie dans le désert comme ça. Elle était en full travaux, je pense. Mais je me rappelle pas qu'elle était au bord de la mer. Ah, ça. Ok. Pourquoi il danse, lui? On monte. Route 13. Salamèche pour starter. La 1G, c'est validé. Tant que tu me réponds pas un Pokémon de 3ème génération. Moi, ça me va. Avec le respect, bien sûr, on les aime, les fans de la 3G. Juste que bon, voilà, la deuxième génération est quand même, c'est quand même quelque chose. Est-ce que acier, ça fait quelque chose contre les types? Parce que je rappelle, tu ne connais toujours pas ma table des types, hein, bien sûr. Oh, pas mal. Togekiss pour le Pokémon Masterclass. Togekiss, ok, original. Original en vrai. Togekiss. Eh ben, j'ai joué Togepi, Toge Demaru. Non,
Attends, c'est Togepi. Togeki, c'est le dernier. Togetic. Jouer Togetic dans mon let's play de Remake 2G. Sur Earth Gold qu'on a fini il y a pas longtemps. C'est celui qui était dans mon équipe. 39. En vrai, il faut XP les autres. Hein. Qui c'est qui a le multi-XP? Je crois que c'est Branet. En vrai, il faut que je switch. Faut que je donne le multi-XP à Quackquack. Il a trop de retard là. Objet. Prendre. Objet. Donner. Multi-exp. Oui. Je vais jouer comme ça, je sais pas trop. Et en légendaire, je dirais Mew, Oh Oh, Lugia, je suis tiraillé. Je comprends. Franchement, t'inquiète. Je surkiffe la 4 et 5G. Bah, c'est compréhensible, hein, c'est des bonnes générations. Hein. Franchement, la 4G est très très bonne. Et la 5G est très très bonne aussi. Hein. C'est juste que bon, pour moi, 1G, c'est la base de tout. Donc voilà, c'est la nostalgie, tout ça. La 2G, pour moi, c'est la meilleure génération de toute la licence. Et le problème, c'est la troisième. Hein. C'est le problème pour moi, c'est vraiment, c'est comme Sid, hein. C'est la troisième. Hein. Alola, c'est caca personnellement. Bah, à l'époque, j'avais pas aimé non plus. Et en fait, Putain, il m'a détruit. Je suis curieux de la refaire. Là, on va faire la sixième et après, on fera la septième. Et je suis vraiment curieux de la refaire pour voir si vraiment mon avis il a changé là-dessus ou pas. Parce que tu vois, par exemple, Noir et Blanc 2, j'avais joué une heure et ça m'avait saoulé parce que ça me saoulait de revenir à Unis en fait. Ça me saoulait qu'après Noir et Blanc, on ait encore un Noir et Blanc. Putain, il me détruit, frère! Mais il est quel type, lui? Il est sol, je sais pas quoi, ce trou de balle! Trop rude la 3G. Il me dit la même chose, le temps peut aider. Ouais, c'est pour ça que je suis curieux de. Je suis curieux de refaire la 7ème génération en vrai. J'ai même pas fini mon jeu Ultra Lune. Ben moi c'est. Tu vois, comme je te disais là pour Noir et Blanc 2, où j'avais lancé Noir et Blanc 2 une heure et j'avais quitté parce que ça me saoulait de revenir à Unis. Ben pour Soleil et Lune, ça a été le contraire. Ça veut dire quand Soleil et Lune est sorti, j'ai joué une heure, j'ai pas du tout aimé. J'ai rage-quitté le jeu. Et l'année d'après, quand Ultra Soleil et Ultra Lune sont sortis, je l'ai acheté, je l'ai fini en entier. Et ça m'a un peu réconcilié avec le jeu, même si je l'ai pas trouvé incroyable. J'ai trouvé quand même que, ben en fait, ils m'ont bait avec le retour de tous les légendaires. Parce que je crois que c'était... Non, il y avait quand même Saphir Alpha et Ruby Omega où il y avait tous les légendaires qui revenaient, je crois. Mais c'était quand même en mode un argument de poids, tu vois. Dire, ouais, vous avez des ultra brèches avec tous les légendaires qui reviennent et tout. Du coup, moi, ils m'ont tenu comme ça tout le long. Et au final, ça va. C'était cool. J'ai passé un moment cool. Donc ouais, non, Ultra Soleil, en vrai. Grotte littorale. Ça, c'est après, ça, c'est plus tard. Faut monter entre l'Ask, ça à gauche, en haut à gauche. Le remake 3G, j'ai poncé le jeu. Ah, moi, j'ai pas du tout aimé, hein, vraiment. Vraiment, c'est la troisième génération, je n'y arrive pas. Hein. J'ai pas force. Je crois que j'ai pas force. Si, j'ai force. Attends. Putain. Drift, vraiment. Je pense que moi, tout le temps, je troll et tout. Je dis, ouais, le Pokémon que je déteste le plus, c'est Kaorin, c'est truc. Je pense vraiment le Pokémon que je déteste le plus, c'est Grodrive. C'est vraiment. Après, là, en 2D, il passe quand même, il passe. Donc, quand je le dis, je suis même pas sûr de moi. Mais je pense que. Vraiment. Normal, c'est de la grosse merde. Salut, mec. Comment ça va? Je me demande si j'ai pas force.
Non, vraiment, je pense que c'est gros drift. J'ai un problème avec ce Pokémon. Force. Putain, je l'ai. Est-ce que je peux l'apprendre à quelqu'un ou pas? J'ai platiné Nexomon 2. Ah ouais? Tu sais qu'il faut que je le fasse, Nexomon. Je l'avais fait vite fait. En mode un peu découverte, tout ça, tout ça. Et en vrai, c'était pas mal, hein. C'était pas incroyable, mais c'était pas mal. Vibra quoi? Vas-y, je vais l'enlever. Vibra quoi? Je confesse. Ah, mais y a pas. Tu sais, pendant des années, j'ai voulu faire Temtem. Puis j'ai craché sur Temtem. Et aujourd'hui, j'adore Temtem. Donc, en vrai, c'est pas parce que c'est un Pokémon-like que forcément ça va être de la merde. Hein. Le problème de Pokémon, c'est que Pokémon n'a pas de concurrence parce que Pokémon est trop loin. Pokémon est trop fort. Mais en vrai, s'il y a de la concurrence, tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux. Toi, tu te rends compte quand même qu'il y a des sociétés quand même. Il y a des putains de sociétés qui brassent des milliards. Des Xbox, enfin des Microsoft, des Sony, des Capcom, des Square, des... Putain, pas lui. Des Tencent et tout. Ils se sont jamais frottés à Pokémon. Alors qu'ils auraient toutes les raisons du monde de dire... Avec nos développeurs et tout, on peut faire de la concurrence à cette licence. On peut en tout cas aller chercher les millions de joueurs de Pokémon. Mais non, en fait, parce que Pokémon, c'est intouchable. Pokémon est beaucoup trop loin. Mais il y a des petits indés qui tentent des trucs, tu vois. Temtem, Nexomon, Coromon. Et en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Après, maintenant, est-ce que Game Freak regarde ce qui se passe à côté? Je pense que Nexomon, Coromon, ils regardent même pas. Temtem, peut-être qu'ils ont regardé. Parce que ça a quand même fait beaucoup parler. Donc, à voir. À voir, à voir. On va quand même revive parce que j'ai peur qu'on tombe sur un mec qui nous wipe. Essaye, tu peux t'intéresser. Intéressé à Monster Sanctuary. Ah, je connais pas. Monster Sanctuary. Tu sais quoi, je vais rechercher tout de suite, comme ça. Je vais pas oublier. Monster Sanctuary. C'est de l'indé. Dans le style pixel art, nous retrouvons aux origines du Metroidvania-like en 2D. Vous êtes le plus jeune héritier d'une lignée de gardiens de monstres. Vous avez... Ok. Monster... Ah putain, le logo me dit un truc, je l'ai vu passer sur Steam ça. Sûr. Ah oui, le logo, je l'ai vu. Attends, je me demande. Attends, me dis pas que j'ai dans ma liste de souhaits Steam. Attends. Là, ça serait là. Ça serait le pompon. Monster Sanctuary. Non, je crois qu'il est pas dans ma liste de souhaits. Non, il est pas. Vas-y, je l'ajoute à ma liste de souhaits. Graphiquement, j'aime bien en vrai. Après, c'est plus du Metroidvania. Malheureusement, j'ai pas de niveau. Je n'ai aucun niveau dans ce genre de jeu, en fait. Je n'ai jamais touché à un Metroid. C'est vraiment pas une licence qui a bercé mon enfance ou quoi. Donc, mais en vrai, ça peut être intéressant en promo. Pourquoi pas. Je l'ai ajouté à ma liste de souhaits. Comme ça, au moins, je n'oublierai pas. Belle surprise. Là, ils ont voulu mélanger les genres. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'en vrai, pourquoi pas. De toute façon, quelle meilleure porte d'entrée à un Metroidvania qu'un mélange entre Pokémon et Metroid. J'ai vu qu'il avait été à dos de dauphin, là, ou je sais pas quoi, le mec. Pourquoi pas. Morpheo. Là aussi, c'est de la belle bouse. Salut Grouch, comment ça va? Tout le monde arrive, ça y est. Est-ce que vous avez tous passé une bonne journée? Ah, ok, il devient encore plus moche. Pokémon et Metroid sont mes licences de cœur, donc j'ai assez vite à la... Ouais, ok, je comprends. Ouais, là, t'étais obligé de tomber. Bah oui. Forcément.
Forcément, mec. C'est comme, imagine, pour Sid, par exemple, ils font un Last of Us, un genre de Last of Us, tu vois, mais avec des petits bulbis qui t'aient, tu vois, au lieu d'avoir des armes. C'est, voilà, t'es obligé. T'es, voilà. Moi, je n'aime que Pokémon, donc je n'aime rien d'autre. Je n'aime rien d'autre. La flûte rouge. C'est la mienne. Moi, je n'aime que ça, donc j'attends les DLC. Voilà. Il y a un truc que Team Plasma prêchait, j'ai toujours pas digéré. Alors, j'essaie. Pokémon, mais c'est Pokémon. Otaju ne m'écoute pas des masses. On n'a toujours pas croisé un singe légendaire alors qu'on est en 5ème génération. Mais ça, c'est grave. Un poké post-apo en mode scénarisé stylé de style clou. Ouais, non, mais c'est ça. Et il y a son Pikachu sur l'épaule. Vous rigolez, mais... On n'est pas à l'abri, hein. Pas à l'abri. Ils ont bien sorti un genre de Pokémon-like avec des AK-47, là. Enfin, je crois qu'il est même pas encore sorti, non? C'était... il avait été annoncé au Summer Game Fest l'année dernière. What? Comment ça? Comment ça, t'es pas au courant? Comment il s'appelle? Pokémon AK. Pokémon AK-47. Palworld. Attendez, vous connaissez pas Palworld? Vraiment? Vous connaissez pas Palworld? Non, en vrai, moi, je vous dis, je vais l'essayer. Voilà, je vous le dis, je vais l'essayer. En vrai, ça a l'air pas mal, non? Ah, merde. En fait, le problème, c'est ça. En fait, le problème, c'est vraiment les armes. Parce que je pense que t'enlèves les armes. En vrai, t'enlèves les armes, ça peut être sympa. Wouah, regarde, il y a des genres de fusion et tout. Quoi ça, encore un coup des Coréens. Je sais pas qui dev ça. Mais c'était pas ce trailer en fait. Attendez, en vrai c'était pas ce trailer. Attendez. En vrai, il y avait un trailer, il était incroyable. Il y avait un trailer vraiment. Putain, il y a moyen que ce soit. Non, il y a 2 mois. Il y a 1 an, second trailer. First trailer, c'est ça. C'est celui-là. Mais non, c'est celui qu'on vient de voir. Mais attends, mais... Il y avait un trailer, c'était une dinguerie. C'est pas celui-là non plus. Mais il me semblait que c'était le premier trailer. Où en gros, tu vois vraiment... Putain, il y a des Pokéballs et tout. Hein. Je sais plus lequel c'est, mais bon. Regarde, il y a même... Il y a Lugia mélangé à... Non, la tête, c'est Lugia. Non, attends. On dirait un mélange entre Dratak, Lugia et l'autre con là avec ses pinceaux de la 3G là. Truc et truc. Je sais plus, j'ai oublié les noms. Je vous jure que le jeu, je vais le prendre. Mais non, mais en fait, c'est dommage parce que... Regarde ça! En fait, c'est dommage, hein. La chiotte et la chiasse, exactement. Toco Toco. Liline. Oh putain, mais on dirait l'autre, là. Fragile Lady, ou je sais pas quoi. Regardez! C'est les mêmes mecs! C'est le même gars! Mais... Luxray, regardez! C'est les mêmes mecs! C'est les mêmes mecs!
Non mais attendez, ça vous rappelle pas un starter de jeu ça? Non mais... Eh mon mouton de la 8G. Oh putain. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on aurait... Ah il est là. Il est là, là ça c'est pour Sid ça. C'est le genre de Don fan de la gêne. Merde. Ah putain, ils ont abusé. Mais tu les retires dessus, tu les rafales les mecs. Ça n'a aucun sens. En fait ton Pokémon se bat et toi t'es à côté, t'as un gun. Non mais je vous jure c'est... Je vous jure c'est Dayo. Le singe il a une putain d'AK. Sur un tank avec tes Pokémon. Oh putain, non c'est trop grave. Je vous jure c'est trop grave. Mais ça sort quand cette merde? Ça fait un an que c'est... Pocket Pair. Je sais pas qui c'est les mecs, mais... Ah putain... Attendez, y'a pas moyen d'avoir une date? Arrête de... Hey, arrête de chanter toi! On va se faire strike. Palworld. Palworld. Release date. Ça sort vraiment en 2023. Et 2023, c'est bientôt fini là quand même. Hein. 2023. Ah, janvier 2024. Ouais, là, c'est plus la même limonade déjà. Non, je vous jure, ça, c'est Day One. Co-op en ligne. Sid. Sid, c'est pour nous. Ça sera en français Day One en plus. Là, je vous jure que c'est... Pas le deck est sorti. Attendez, mais ah ouais, genre ils ont un Twitter et ils annoncent les Pokémon au fur et à mesure. Ils sortent le... Ils ont un Pokédex en direct, les mecs, ils... Non, mais attendez. Moi, je pense qu'il faut suivre. Je pense qu'il faut suivre cette histoire. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Ah ouais, la date a été annoncée. Janvier. Eh ben, en janvier, les amis... sera dessus. En janvier, nous serons dessus. Non, en vrai, ça va pas être... Oula, ça va pas être incroyable, mais ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Je pense que c'est un jeu, faut le prendre vraiment au second degré. Et très curieux, en tout cas, de cette affaire. Day One. Franchement, graphiquement et tout, c'est carré, hein. On sera dessus, les amis. C'est sûr. J'aurais pas pensé, mais j'avoue que ça m'a chauffé. Il y a un early access. Ah bon? Bah, c'est une bêta fermée, genre. Pas. Peut-être qu'il fallait demander des clés ou je sais pas. I don't know. Je sais pas, en vrai, le jeu il m'a jamais intéressé, mais. Le jeu m'a jamais intéressé, mais j'avoue que là. Maintenant que j'ai réussi à ouvrir mon esprit avec Temtem, je pense que je suis prêt à découvrir d'autres choses. Juste déconnecter ça. Bluetooth. Bluetooth. Est-ce qu'il dit Bluetooth ou Bluetooth? Bluetooth. Il y a vraiment des gens qui disent Bluetooth. Apparemment, faut dire comme ça, mais ça, c'est à poil, ça. Par contre, j'ai plus de son là. Vous avez du son, vous? Vous avez plus de son, vous non plus.
crois que je vais devoir relancer ta voix, mais pas le jeu. Ok, on va save, je vais relancer vite fait. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé, mais c'est pas grave. Ah non, c'est... Ah mais ma manette s'est déconnectée. Attendez. En fait, j'ai déconnecté ma manette alors que je voulais déconnecter autre chose. Ok, ma manette déconnectée. Tac. Tac. On va en accélérer. Je relance, ça devrait être bon. Excusez-moi, hein. C'est les aléas du direct. Hop, hop. On est bon. Go refaire la 3G? Possible. Ah non, 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 vraiment pas. Ok, c'est bon. Non, non, mais la 3G, je l'ai faite il n'y a pas si longtemps au final, hein. Je l'ai faite cette année. Donc non, vraiment pas. Ça va aller. J'ai été incapable de le finir de finir le jeu de moi-même, donc non non non. D'ailleurs bientôt sur la chaîne le let's play de, enfin sur la chaîne YouTube du coup, pas sur Twitch, mais enfin pas sur Kick, enfin vous m'avez sur Twitch du coup, mais pas sur Kick. Mais ça c'est autre chose. Mais Saphir Alpha. Voilà. Il y a Saphir Alpha qui arrive. Bientôt. C'est dans un passé mais qui est futur. C'est un passé sur Twitch mais qui est futur sur YouTube. Donc c'est dur à suivre mais... Mais c'est suivable. Comment je le tue? Mamambo. Jamais je clique dessus des os. Sur mon let's play? Bah je peux comprendre hein. Ah mais il va me tuer, j'ai plus de vie, je suis trop con, j'avais pas vu. C'est le passé du futur présent. C'est... Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, mais... C'est un genre de... De plus que... Plus que parfait. Non. Je touche pas à ça. Moi non plus, hein. De toute façon, je n'y toucherai plus à ces jeux. Donc heureusement que je les ai fait avant et que j'ai plus qu'à balancer la rediff. En vrai, très content d'avoir passé toute cette merde. Et on prie pour que ça n'arrive plus jamais. On veut plus jamais entendre parler de ça. Attendez, wesh, 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 c'est légendaire! Coupe, apprends coupe, Young, apprends coupe, vite, vite, vite! Cette haine sur la 3G, bah c'est normal, c'est nul. OMG, c'est parti, on va le reset. C'est faux. Allez. Non, c'est scripté, il va s'enfuir. Ah non. J'ai envie de le reset. J'ai envie de le reset. Non, Young, arrête. Ah, la possession s'empare de mon corps. Ah, Oh.
Le prendre dans la team ou le snobber? Ha! Alors là. C'est une excellente question, mon pote. La musique. Je crois qu'on va le prendre, hein, non? Je sais pas. Après, j'ai pas beaucoup de bol, hein. Ouais, c'est quoi cette musique de fou? Allez, s'il te plaît. La cobale. 1. Allez. Faudrait que je le paralyse. Putain, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Pas claquer une Master Ball. Non, 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 Cobaltium, Cobaltium. Ah, putain. Putain. Allez, 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 rentre. Allez, s'il te plaît. Putain. Comment vas-tu? C'est quoi les... Là, il est acier, c'est sûr. Acier, c'est sûr, mais après... Allez, rentre, s'il te plaît, rentre! J'arrive jamais à capturer les légendaires à l'hyperbole, moi. Je sais pas comment vous faites, hein. Franchement, c'est... j'arrive jamais. Go, Pokéball. Allez, je vais pas y aller à la Pokéball. Comment ça, la Pokéball?
fous de ma gueule là. C'est la même chose. Je paye des hyperboles pour que ça fasse le même move. Et de ma mère, tu vas pas m'en... ça va pas se passer comme ça. Je suis une salope, moi. Je suis une salope, moi. Ok. Comme ça, je peux... comme ça, je peux faire ma miniature, déjà. Hop. Voilà. C'était calculé, les gars. C'est calculé, c'était calculé. Hey Yori, il y a une annonce là pour le, tu sais, le KCX3. Apparemment, les games Valorant, elles vont être castées par, sur scène. Parce que ça se passe à l'Accor Hotel Arena à Bercy. Ça va être casté sur scène par, par Kameto et Loupiot. Et Loupiot, c'est... comment ça, pas mal les bzez? Elle rentre du Japon exprès pour caster le match. Comment ça, pas mal les bzez? Parce que c'est une ancienne joueuse Valorant. Si, si, c'est une... c'est... c'est une ancienne joueuse Valorant. Elle était dans la même équipe que la sœur de Gotaga qui a la Carmine, du coup, maintenant. Putain, comment on va le capturer, ce trou de balle? Cœur noble. Comment on fait? Provoque. Feinte. Comment ça, pas mal les bzez? Non, mais en fait, lui, il pue sa grand-mère, hein. Après, je connais, je sais pas, il est acier et je sais pas. Qu'est-ce que... ben, en vrai, je pense que le meilleur truc, c'est de le... essayer de le baiser avec, avec Magnetti, tu sais, de le para ou je sais pas, mais... si je peux le para, en vrai... ouais, mais c'est pas lui qui décide. Eh ouais. Eh ouais. Donc là, je peux rien faire contre lui, en fait. Est-ce que je peux le paralyser, s'il vous plaît? Je vous en supplie. Je vous en conjure, je vous en trijure. Tout ce que vous voulez. Ça paralyse jamais Étincelle ou quoi? Je sais pas si je le tue. Je sais pas si je le tue. Il me tue, mais non! Putain, je peux pas le paralyser, je peux rien faire, je peux... je peux rien faire! Mais c'est quoi ce Pokémon légendaire, là?
Ça me rend fou malade là. Allez! Mais rentre ta mère, la pute, un jour! Non, c'est pas possible qu'il rentre, ce fils de pute! C'est quoi ce Pokémon de fou? J'ai pas claqué ma Master Ball quand même! Aussi mon équipe elle a à moitié canée là, c'est bon. Oh ça me rend fou, ça me rend fou. Putain ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ok. Un rappel. Comment je peux... Comment j'arrive pas à le capturer, ce trou du cul? C'est trop grave, ça. Allez, s'il te plaît, un truc dans ta vie. Un truc dans ta vie, s'il te plaît. Mais ouais, mais j'ai rien pour le battre en fait. J'ai rien du tout. Ça part en reset shiny. Mais étincelle, c'est pas censé paralyser un jour? Ça y est! Ok. Là, j'ai peur de le tuer. Ok, je le tue pas. Bon, là, je peux pas faire mieux, les gars. Là, vraiment, je peux pas faire mieux. Paralysé. Je peux pas. Je peux pas faire mieux. Donc maintenant, faut aller se faire foutre et faut rentrer dans les bols, ok? Maintenant on rentre, on ferme sa gueule, on rentre, on rejoint l'équipe et on va aller casser des culs ensemble, ok? C'est zik. J'en peux plus. Libérez-moi des ténèbres. Allez, allez, un. J'ai essayé de le bait, hein. C'est une blague, la balle elle bouge même pas frère. Comment c'est possible? Il y a un bug. Un. Oui.
Let's go, fallait speed. Il fallait speed up. Il fallait speed up. Voilà. 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 Un corps et un cœur en acier trempé. Jadis au service de la défense des Pokémon blessés par les humains. Acier combat. A plus B, mais j'ai fait A plus B tout le long. C'est ça le problème. Ah, il connaît la strat, il connaît. Bon, je cut la VOD ici, début de YouTube. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.